Découvrons Étienne Gênes pour le projet Gênes Calabash, concourant dans la catégorie agro-transformateur, qui prône une marque créatrice de glace vegan, un concept de valorisation des fruits et des légumes sous-estimés en Guadeloupe. Je suis Gênes Étienne, jeune en soi de 28 ans, agriculteur et agro-transformateur. Je vous présente aujourd'hui Gênes Calabash, qui veut dire la calebasse de la famille Gênes, qui est une entreprise et une marque de glace vegan faite à base de fruits de saison. J'ai choisi de vous recevoir ici parce qu'on est justement devant un tamarinier qui me fournit un tamarin tous les ans. Et c'est un agriculteur qui ne valorisait pas encore ses tamarins. Et à l'élaboration de mon projet, j'ai décidé de lui proposer d'acheter ses tamarins au lieu de les laisser se gaspiller. Aujourd'hui, je fais mes glaces de manière entièrement artisanale, c'est-à-dire que je récupère le fruit au jardin, je plante certains fruits naturellement aussi sous mon exploitation, je les transforme en jus, en pulpe, avant de les turbiner et de les transformer en glace. Je participe à ce concours pour faire connaître toute la richesse de notre produit et toute la richesse de nos fruits que j'utilise principalement pour faire notre produit. Si je gagne le concours, mon ambition serait d'agrandir mon labo, d'agrandir mes capacités de production, de faire connaître à plus de monde ce produit qui est riche, comme je vous l'ai dit, et de mettre en valeur encore plus de fruits d'ici. Je remercie la région, la Chambre d'agriculture, Eline Rae, d'avoir pensé à ce concours parce que ça met en valeur beaucoup de choses qu'on fait ici et qui sont très riches.